Au quotidien, en fait, je fais beaucoup de travail de mécanique, donc tournage, fraisage, du cintrage, travail de plomberie aussi, j'ai du brasage, je vais travailler le cuir, travailler le roseau sur des matériaux complètement différents, des plastiques, des bois. Alors en fait, je suis facteur de Elan Pipes. Et donc Elan Pipes, c'est la cornemuse traditionnelle d'Irlande, qui vient en fait du gaélique Elan, qui veut dire coude, donc les coudes. Parce que quand on joue, on a donc le soufflet d'un côté et la poche de l'autre. En fait, c'est une cornemuse qui utilise les deux bras. Et Pipes, c'est comme bagpipe, en fait, c'est le nom de la cornemuse, en fait. C'est littéralement les tuyaux, en fait. Je vérifie au passage qu'il n'y a pas de fuite. C'est un instrument qui a beaucoup de composants. On va du petit ressort qu'on met sous les clés jusqu'aux grandes pièces en fait inox ou bois en fait qui demandent vraiment beaucoup de travail. Sur un instrument complet, donc qu'on appelle le full set, on a à peu près 250 pièces, sans compter les axes et les ressorts. J'ai commencé la musique au Bagad, de Manu Tran. Et j'avais 13-14 ans à l'époque, j'étais déjà intéressé par le Elan Pipes. Mais dès mes débuts de musique, j'ai toujours été intéressé par la magie de la fabrication. Qu'est-ce qui fait que quand on prend le même bout de bois, on va en faire une bombarde, on va en faire un au bois, on va en faire un Elan Pipes. Et pourquoi ça marche de telle manière ou pas. Je sais que j'ai embêté longtemps mes professeurs de physique notamment, en leur demandant d'expliquer un petit peu les bases d'acoustique. Et puis après, j'ai continué mes études, fait des études d'ingénieur aux arts et métiers, j'ai continué avec un master aux États-Unis, toujours en mécanique, en essayant un maximum dès que je pouvais me raccrocher à la mécanique vibratoire, à l'acoustique, je prenais tout ce que je pouvais prendre en fait. Et donc j'ai fait un projet de fin d'études à l'IRCAM à Paris, sur les pianos en fait, sur les résonances sympathiques du piano pour Pierre Boulez. Très intéressant, donc là j'ai côtoyé le milieu de la recherche en fait en acoustique instrumentale. Donc c'est là que ça vient, ça commence par un amour en fait du son, un amour de l'instrument, la curiosité qui m'amène petit à petit en fait à ce que ça devienne non pas obsessionnel mais passionnel on va dire. J'adore tout l'aspect conception, l'aspect recherche. Ça, c'est vraiment ce qui me porte, en fait, ce qui m'a amené déjà à m'intéresser à ce métier. Ce que moi, j'adore, en fait, dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que je pars du produit de la matière première, du brut, et j'emmène cette matière là où je veux qu'elle arrive, en fait, en fonction de ce que j'ai étudié, mesuré, calculé. Aujourd'hui, je maîtrise. Dans 10 ans, je maîtriserai mieux. Et dans 40 ans, je serai au top. Mais voilà, ça, de toute façon, c'est l'histoire d'une vie. On a toujours du... Quand on maîtrise quelque chose, on a toujours autre chose à pousser plus loin. On va toujours dans les détails. On a du développement, soit de variantes en fait, de l'instrument. Ça peut être sur les tonalités, ça peut être sur l'ergonomie, ça peut être sur une couleur différente, un timbre différent. Il y a certaines tonalités, certaines choses aujourd'hui que je sais maîtriser. Mais sur l'ensemble de l'instrument, vu la complexité, j'aurai toujours à faire, à creuser, quoi. C'est ce qui rend la chose intéressante aussi. Alors en fait, quand on est arrivé, assez rapidement, en fait, je suis rentré dans l'association Vivra Saint-Laurent, qui organisait le festival du cabaret à domicile. On continue en fait avec cette association d'organiser, en partenariat souvent avec Astourcy, d'organiser des concerts à l'église. C'est vraiment important, en fait, je trouve, pour moi, de mélanger du local et puis des gens qui viennent d'un peu plus loin. Et puis voilà, on fait vivre, tout simplement, quoi. En plus, on a une superbe église. Voilà, place à Loïc et Tad.
sais que quand je fabrique un instrument, j'ai toujours l'image du client, je sais pour qui je le fabrique. Et ça, c'est important, c'est aussi une des choses que j'aime dans le métier, c'est que j'amène l'instrument et je sais qui va s'en servir, je sais à peu près ce qu'il veut en faire, ce qu'il compte en faire. Et ça, ça joue beaucoup, en fait. On y mène notre âme, en fait. Vraiment au sens propre. Je pensais pas à ce point avant de le faire. C'est-à-dire chaque instrument demande beaucoup d'investissement, notamment émotionnel, quoi. C'est toujours un petit peu dur de le voir partir de l'atelier, mais ça fait plaisir de le voir évoluer, de le voir revenir de temps en temps. Donc en fait, ces phases d'alésage, quand je compte sur l'ensemble de la fabrication du chanteur, en général, je m'y reprends de 5 à 6 fois en étalant sur plusieurs mois, en fait. Parce que le bois étant ce qu'il est, en fait, naturellement, il n'est pas homogène. Donc il va retravailler, donc il est très très sec, il a déjà des dizaines d'années de séchage, celui-ci. On libère des tensions, en fait. Quand on vient percer, enlever de la matière à certains endroits, on enlève des parties plus molles, des parties plus dures, et il retravaille dans tous les sens. Ouais. Elle s'adoucit depuis tout à l'heure, un petit peu. Parce que je l'ai joué. Ouais, c'est ça. Elle est passée entre les mains, trop dieu. Je trouve qu'elle a gagné vachement en timbre. Je pense, en maturité. Donc, il faut laisser le temps, en fait, sur les instruments qui vivent. On est sur des matériaux vivants. On a un rapport au musicien qui est très important, donc il faut prendre le temps de faire les choses pour qu'elles se stabilisent. Donc je peux avoir le même résultat en ayant un bagni plus solide. Je pense que ça, je peux l'avoir. Ouais. Étant donné qu'il n'y a pas de problème avec les la. Ouais. Donc, ni avec les mi. Bah, les mi et sol sont très bien, ouais. En général. Ouais. C'est ce que j'aime bien dans cette perce-là, par rapport à la perce, tu vois, qui est plus tirée de Froment et Williams. Bah, disons que sur un Froment, sur tes hanches, moi je fais toujours des hanches assez fermées pour que les mi soient plus faciles, donc tombent plus juste. Et là, finalement, comme c'est un chanteur qui est très équilibré sur les mi, j'ai plus besoin de me soucier de ce problème-là, et je peux me focaliser sur autre chose. Et puis, bon, il y aura d'autres problèmes qui vont apparaître, mais en soi, c'est sûr que... C'est un bon instrument, pas à dire. Je pense qu'on ressent tous, en fait, cette course contre le temps. Laisser les choses se faire, ça veut dire qu'on peut être productif, on peut travailler sur l'optimisation des process de fabrication, etc. Mais à un moment, on parle de quelque chose de vivant ici. On n'est pas en train de parler de quelque chose de vraiment immatériel, c'est pas vrai, en fait. On est sur beaucoup plus que ça. Donc, ça se fait pas sans le faire au bon moment et sans prendre le temps de bien le faire. Donc, voilà. C'est une grande leçon de vie, en tout cas.